le Haut-Brion, c'était le vin préféré de ta mère. Et alors? Mais tu veux pas que je participe aux frais de ton mariage? Tu veux pas de mes fleurs? Alors, laisse-moi moi le plaisir de t'offrir quelques bouteilles. J'accepterai ton aide le jour où ton argent proviendra uniquement de la vente de tes fleurs. Très bien, ma chérie. Après tout, c'est ton mariage. Ma réputation m'a donc précédé. Il n'y a pas de musée à Escalderon. Quoi? Papier, s'il vous plaît. Papier? Ah, oh, bien sûr. Fuyez. Oui. Des papiers, monsieur, j'en ai ici. J'en ai écrit pour plusieurs journaux. Fuyez. Oui. Mais... La courrier égyptien, édition du matin, fuyez. Vous avez dit... Fuyez! Alors, ils n'ont rien à voir avec ça. Tu sais, Will, quand on abandonne un pirate, on lui laisse un pistolet avec une seule cartouche, une seule. C'est pas très utile pour aller à la chasse ou pour tenter de sauver sa peau. Mais au bout de 3 semaines où tu crèves de faim et de soif, ce pistolet a des airs de véritable ami. Mais Jack, il s'est échappé de l'île, et là encore, c'est une unique cartouche. Oh, il s'en servira pas, sauf sur un seul marin. Son second, le chef des mutins. Barbossa? Ouais, Barbossa. Il sait beaucoup de choses. Comme par exemple, que si tu choisis de livrer ce chapeau au ténébreux, tu n'auras jamais droit à une fin heureuse. Mais si je vous le donne à vous, j'y aurai droit. Tu trouveras cette troisième sœur. Et tu finiras aussi par retrouver celle que tu viens de perdre. Ton grand-père était un homme remarquable. Il nous a enseigné tant de choses. C'est lui qui a appris à Miro à apprivoiser l'image et la lumière. Et puis un jour, il est parti, à la recherche de ce fameux trésor. Et après avoir parcouru les 7 terres qui composent notre monde, il a fini par le trouver dans le fin fond des terres interdites, au cœur même de la cité de Nécropolis, où il règne en maître. M le maudit. Et malheureusement, jamais personne ne revient des terres interdites. Tel est leur bon plaisir! Portez le tribut des dieux jusqu'à leur temple! Oh, nous espérions que vous alliez rester avec nous au moins un millénaire. Peut-être que si vous n'étiez pas si chargé de tant de tribus, vous pourriez partir plus tôt. Elinor, regardez ces bordures! Elinor, tout va bien, très cher? Oui, je vais bien. Continuez, vengez-vous de l'ours qui a volé votre jambe. Oh oui, vous avez tous entendu! Je suis tellement déterminé qu'il n'a plus aucune chance! Non, mais détournez le regard, messieurs, c'est la reine! Un peu de respect! Et pourquoi je ferais ça? Parce que... Au fond de vous, je crois que vous vous rendez compte que vous expulsez toute la population d'un village rien que pour vous. Et ça, c'est... pas bien. Non! Personne n'est aussi cruel. Bon, ramène-moi. Non, attendez, attendez, comment vous pouvez être aussi égoïste? Tout ce qui vous intéresse, c'est de bâtir votre résidence d'été et de la remplir d'objets rien que pour vous. Bah oui, rien que pour moi. Ramenez-les dans leur box! Non, certains refusent de se laisser convaincre, mon fils. La seule chose dont tu dois te soucier, c'est Burke. Un chef protège les siens.